Bonjour à tous les amis, ici TheJeu46 pour la partie 2 de l'épisode 14 du Let's Play Pixelmon. Et ça commence très bien parce qu'il y a un gros cool boss qui a spawné devant chez moi. Donc on va commencer par lui péter la gueule et ensuite on prendra le flash, enfin ce que j'ai fait là où ce n'était arrêté. C'est-à-dire après que j'ai trouvé un autre bastion dans le Nether. Oh la vache, j'ai fait trop mal. Je pense qu'il va être vite fait celui-là. Casse-noi, pitié, meurs pas. Merci. Tortigol! T'es pas mort non plus, c'est parfait. Et Grotol. Qui n'est pas mort non plus, c'est génial. Absorbe. Absorbe sa vie. Absorbe son âme. Ça marche pas bien. Oh. On va ressortir. L'arme de destruction massive. Vas-y, flamèche. Et ça marche en plus. Level 32. Une Pokéball et un reste. Ok, c'est pas grand chose. Oh oui! Et ben voilà, partie 2, on commence par l'évolution. Enfin, ça débute par l'évolution de Macronium qui va évoluer en Méganium si je me trompe pas. Ah bah une bonne chose. Blou blou blou. Ouais. Moi-même, non, j'en fais pas. Moi-même, ça m'impressionne d'avoir fait ce bruit qui était très aigu avec la voix de merde que j'ai. Viens voir. Méganium. Oh putain, je vais monter dessus, c'est trop cool. Et il est rapide en plus. Poké Racers. Bientôt sur ton sol. Bref. Donc on reprend là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire... Oui, donc je venais de trouver le bastion du Nether, si vous vous souvenez. Et je venais de passer une heure à faire... Qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Merde. À XP sur les sets de Blaze. Enfin, à me dropper des sets de Blaze. Donc, maintenant, on se retrouve pour la suite. A tout de suite. Et puis, comme je suis ultra têtu et que j'avais pas trouvé tout ce que je voulais... Eh ben, je me suis mis en tête de retrouver encore un autre bastion. Oh, oh, un air bizarre. Enfin, bref. Donc, j'ai cherché un autre bastion, donc grâce à mon fidèle Dracofeu qui m'a permis de me déplacer très rapidement dans le Nether, très efficacement. Ah oui, je suis vraiment désolé si ça bug, mais c'est parce que là, mon disque dur commence à être plein et il y a trop de vidéos frappes, il y a trop de... Ouais c'est ça ce que c'est, il y a trop de vidéos frappes, donc du coup maintenant ça commence à beaucoup bugger. Je suis désolé, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça la partie la plus importante. Bref, voyez ce que j'ai trouvé dans le second bastion. Bon et bien les amis, résultat des courses, je n'ai toujours pas trouvé de verre du Nether, donc il va falloir que je recherche encore un autre bastion. J'ai pas que ça foutre, ça commence à me gaver un petit peu. Bon bah je vais rechercher un autre, écoutez, ils s'en bouffent. De toute façon j'ai plus besoin Comment? Je n'ai plus besoin de celle de Blaze, donc j'ai plus besoin de remettre les monstres. Donc eh ben je vais continuer à chercher, hein. Je sais pas, je crois que Notch n'est pas avec moi sur cette map. Car j'arrive pas à trouver de verru. Et c'est quand même le deuxième bastion, c'est pas. Aïe! Facile de voler.
Ouais, non, ça fait légèrement chier quand même. Bon, et ben je cherche un autre bastion et on se retrouve si j'en ai trouvé, si j'en trouve un autre ou pour autre chose. Éventuellement. Allez, à tout de suite. Re les amis, alors j'ai encore trouvé un bastion, mais ce coup-ci je suis parti dans l'autre sens. Oui, j'ai récupéré toute ma bouffe parce que je suis mort dans la lave en cherchant vers le nord. Donc du coup, je suis revenu dans le nether, je suis reparti vers le sud. Et maintenant, eh ben, je vais chercher dans ce bastion en espérant que ce coup-ci, c'est la bonne. Ce coup-ci, il y aura des verrues du nether. Ah, et je vois un escalier, ça commence plutôt bien. Allez, ah oh, merde, y a rien. Encore un? Encore un? Oh, un coffre! Wow! Oh yeah! Oh oui! 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 Ah, enfin, putain, enfin des verrues du misère. Oh, je me baigne dans les verrues. Ah, putain, et eh ben voilà! Suffit de te demander. Ah, il est bien celui-là. Faudrait que je note les coordonnées. Ah, bah voilà, un bastion souterrain. Et oui, c'est cool. Un bastion souterrain parce que bah voilà, enfin, je veux dire, parce qu'il a un rez-de-chaussée, il n'a pas que des plateformes en hauteur. Ah, c'est cool. Ouais, plein de sel, plein d'or. Ah, yes. Enfin, enfin, on va pouvoir commencer à faire des potions. C'est ça la putain de bonne nouvelle. Alors, si ça remonte, hein. Voilà, celui-là il est bien, celui-là il est pas pourri. Parce que les deux autres, vous m'excusez, à part les spawners à blaze, il y avait absolument rien. Ah, cool. Voilà, go de faire un briquet, ça c'était plutôt cool. Non, ça continue pas. Non, ça continue pas. Bah voilà une bonne nouvelle, on va explorer vite fait avec le... Je vais explorer vite fait en gardant un petit peu la caméra. Là, il y a des champis que je pourrais éventuellement prendre. C'est parce que j'ai le plus besoin. Ah bah c'est cool, là je suis content. Là il y a un bonheur. Ah bah putain, il faut que je trouve des chevaux. Ça va être cool. Alors, je pense que j'ai vite fait le tour. Il doit être plus grand que ça quand même, c'est juste que... Un bastion qui fait tourner la tête parce qu'on sait plus où est-ce qu'on va. Oh ouais, encore. Ah bah voilà, ça rattrape les deux autres bastions de merde. Ça c'est cool. Et donc du coup, il va falloir que je fasse une plantation de verrues. Que je vais faire, je ne sais pas où. Je me souviens sur un serveur. Mon frère et moi avions fait... Enfin, le crafter et moi, ouais. Avions fait une ville. Un petit village. Style un peu médiéval. Et on avait des terrains limités et tout, et vu que j'étais bah, le second, parce que c'était mon frère le chef, enfin le chef, c'était mon frère qui avait commencé à créer le village, moi je suis arrivé plus tard, mais je l'ai aidé. Et donc je suis devenu le second, et donc j'avais un grand terrain, et le problème c'est que j'avais un terrain limité, et j'avais juste de quoi faire ma grosse maison, enfin ma maison, j'avais fait une assez grande maison. Et le truc c'est que j'avais plus de place pour mes plantations, donc j'ai dû faire mes plantations dans le grenier, c'était plutôt fun. Si le crafter voit cette vidéo, il va sans doute s'en souvenir hein, aussi. Oh oui. Ouais, j'ai plus de place. Quel briquet, je pense pas que ça va me tant servir que ça. Ah, je suis content, ça c'est un bon bastion ça. Non, si je pourrais pas aller en face. Il y a sans doute moyen en passant par là. Ah, ça serait bien que je trouve d'autres diamants. Hop, hop, hop.
Hop, et j'ai de plus en plus faim. Parce que ça fait 2 heures que j'aurais dû manger déjà. Merde. Safe. Faut que je monte. Hop. Je vais pas regarder la caméra trop longtemps. Ouais, je fais des bouche-pied quoi, tu vois encore, c'est nickel. Alors, des montagnes d'or. Un peu de fer, ça fait toujours plaisir. Encore un coffre et encore des verrues, oh putain! Ça. Voilà, on a rattrapé les deux autres bastions. On a 3 fois eu des verrues, donc ça fait, pour moi, ça rattrape les deux autres bastions pourris, chez pourri. Ah ouais. Oh my fucking god. Ça, je peux jeter. Oh putain, c'est trop beau. Oh, tellement. Ça, je peux. Non. Lol. Ça, je prends. Ça, je peux jeter. J'en ai déjà plein. Non, ça. Regardez la flèche. Je vais changer contre autre chose. Voilà, dans ce coffre. C'est bon. Oh, oui. Ah, j'ai déjà un stack de verrues. Ah merde, si j'ai déjà un stack de verrues, j'ai pas récupéré les autres. Merde. J'ai marqué que j'avais que 20 sous le sol, donc je vais reprendre un peu. Ah, encore des verrues. Encore un truc en or. Putain, ils vendent classe mes chevaux comme ça. Qu'est-ce qui servira à rien? C'est dommage qu'on puisse pas faire fondre les outils en or. Ce serait peut-être une bonne idée d'intégrer. Oh la vache, tellement de coffres. Oh la vache, tellement d'armures en deux chevaux. Ah, c'est maintenant que je regrette de pas avoir pris mon Ender Chest. Oh la vache, tellement. Tellement. Tellement beau. Bah, du coup, je vais pas prendre toutes les armures en deux chevaux. Pas besoin de temps. Ah, là je suis content. Là, ça débouche nulle part. Là, je crois que c'était des escaliers, mais en fait ça n'est pas. Là, il y a des escaliers. Là, il y a des escaliers. Par contre, c'est le bordel. Il est vachement grand celui-là. Oui, j'ai essayé, il y avait un coffre. Je sais. Encore de l'or, encore des sels. Les sels, je les prends toutes parce que ça peut toujours servir. Une épée en or, ça va pas me servir à grand chose, entre autres. Le problème, c'est que je vais bientôt être full inventaire. Je commence à reparler du nez, il va falloir que j'aille me moucher. Encore désolé si ma voix est pas optimale. Pas la meilleure du monde. Mais j'allais sauter, je suis con, je crois que c'était difficile. Je suis pas totalement guéri. Mais normalement c'est un peu mieux. Pas grand chose à vrai dire. Lave. Par là, il y a quoi? Ouais, mais là, on atteint les plateformes. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est les coffres. Ah, j'aurais trop. Ah, je suis con. Pardon, je suis con, j'aurais dû prendre mon Under Chest. Et là, il y a un peu trop de lave à mon goût, à vrai dire. La solution étant. Voilà, solution.
action. On va attendre que tout ça coule. Bon, je continue d'explorer tout seul parce que ça va devenir assez répétitif pour vous. Et je reprends. Ah, un spawner à blazer. Attendez. Vous voyez là-bas, regardez au-dessus de mon bloc de terre. Voilà, spawner à blazer. Ça va devenir répétitif pour vous. Alors, je vais continuer d'explorer tout seul. Putain, mais il y en a encore là. Ah, il continue. Putain, il est géant ce truc. Voilà, le problème, c'est qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus de. De. D'étage. J'aime pas ces genres de frises. C'est des, ces frises-là qu'on fait les cadets. Non, pardon. Je continue à explorer tout seul. Tout seul, tout seul. Et je reprends la caméra. Bon, dès que je suis rentré pour faire le point. Ouais, ça me semble une bonne idée. Allez, à tout de suite. Bon, bah encore des verrues, comme ça. On est super large. Suffisait de demander, merci Notch. Je vais faire un temple pour Notch. Voilà, j'ai retrouvé des verrues, là je pense que je vais rentrer parce que j'ai dû faire le tour vite fait. Ouais, j'ai sûrement dû faire le tour du bastion. Donc je vais rentrer et on se retrouve à la maison ou pour autre chose, pour le minage ou je sais pas. Bah non, je suis con, on se retrouve pour la reprise de l'épisode 14, si je pense que c'est ça, 14. Donc on se retrouve pour l'épisode. A tout de suite. Voilà, un très beau bastion comme vous avez pu le voir. Et dès que je suis retourné à la maison, eh bien j'en ai profité pour terminer ma salle d'alchimie et enchanter deux pioches en diams. Vous allez voir ce que j'ai eu. Et voilà, les amis, donc maintenant, résultat des courses. Un stack et demi de verrues du Nether. Oh oui. 4 selles en. Non, 5 selles de cheval en diamant, 4 selles de cheval en or, 3 selles. Non, c'est des armures, pardon. 4 armures en diamant, 4 armures en or, 3 armures en fer, 5 selles, un plastron en or, un demi-stack d'or. Oh, ça, ça fait plaisir. Un briquet, 8 de fer, un diamant. Et c'est à peu près tout. Et oui, une quarantaine de selles de blaze. C'est ça, c'est ce que j'avais fermé. Et donc, du coup, on va pouvoir faire les alambics, voilà. Et ça fait plaisir. Alors, je sais pas où est-ce que je vais mettre les trucs pour chevaux. Très franchement. Alors, et ça, tout ça. Tout ça. Le briquet, je vais mettre là. Je crois que je vais les mettre là. Trio un petit peu. Hop. Crac. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Putain. La vache. Alors, 3 fois 3. 15, 9. N'importe quoi. Donc, je vais juste séparer. Tadam! Y aurait pas un Nivoli qui traîne au Ah bah, de toute façon j'ai plus de Pokéball. Donc voilà qui est fait. J'espère que l'épisode n'aura pas duré trop longtemps parce qu'il me reste encore deux trucs à faire. Donc je verrai bien si jamais ça a duré trop longtemps. Bah si déjà, je veux dire, si jamais ça a déjà duré une demi-heure, bah ça sera la fin de l'épisode. Sinon, ça sera en deux parties. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors les amis, je me prépare à l'éliminer. Donc on va d'abord enchanter une petite pioche en diamant, level 30. C'est la merde. Bon du coup je vais enchanter l'autre. C'est la merde. Fortune 2 sur un level 30, c'est de la grosse merde.
Je devrais pouvoir aider aussi ici. Vingt-deux. Bon, rien à faire, ça va pas. On va faire du level 20 puisqu'ils veulent pas. Donc oh, j'espère tomber sur un toucher de soi pour avoir un under chest. Efficacité 3, solidité 3, ouais bah va falloir que je combine les deux. Et combiner les deux, ça me demanderait combien? 32 en 32 level. C'est un peu trop. Pour moi. C'est pas grave, écoutez. Et ben bah du coup je vais aller miner et et ben on se retrouve dès que j'ai enfin quand je trouve quelque chose d'intéressant ou alors pour la fin pour faire un croix. Ouais voilà. Allez à tout de suite. Je vais confronter cette pioche en fer. Vite fait, pour voir si je peux avoir quelque chose. 6. 4 level 2. Merde, je l'avais. Solidité. Ouais. On va s'en contenter. Bon, après, j'utiliserai des livres d'enchantement. Hein, ça sera. Ça sera plus sécurisé, on va dire. Comme enchantement, mais. Bref, voilà. Bon, je vais miner et on se retrouve pour l'épisode. A tout de suite. Ensuite, je suis allé miner et j'ai pas trouvé grand chose de très très intéressant. Enfin, à vous montrer en vidéo en tout cas. Mis à part deux petits trucs et ensuite, je vous ai fait le point de ce que j'avais récolté. Vous allez voir. C'est la fête à la pierre d'évolution de feu. Regardez. J'ai déjà récupéré une pépite d'évolution de feu. Il y en a une seconde là, il y en a encore une là, il y en a deux là, il y en a une là, c'est vraiment là je crois que j'ai si je sais plus combien j'en ai dans mes coffres encore des pépites, mais je pense que j'ai de quoi en faire encore une. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ah là là, ça fait plaisir. Oui. Ça fait extrêmement plaisir. Qui pourrait éventuellement servir à. Oui, à l'évolution de feu. Donc Fly Run, je crois que ça s'appelle l'évolution de feu. De Exodus. Bref, ça bug beaucoup. Je pense que Fraps commence à bugger. Parce que j'ai déjà beaucoup de vidéos, beaucoup de temps de record avec Fraps. Donc, il va falloir que je fasse de la place sur mon disque dur. Voilà. Donc, je continue de miner et on se retrouve dès que j'ai quelque chose à vous montrer. A tout de suite. Regardez, les amis, ce que j'ai trouvé, un spawner à squelette. Je viens de noter les coordonnées, hein, ça peut toujours servir au cas où je m'en ferai une usine. Je récupère ce qu'il y a dans les trucs, ça c'est cool. Étiquette, ça je prends aussi. Là, la poudre à canon, oui je vais prendre. Je vais mettre à la place de quoi? Oui, vous avez vu, j'ai trouvé 6, enfin, j'ai trouvé 4 diamants avec la pioche fortune 2, ça fait 6. Ah non, merde, j'ai pas utilisé la pioche fortune 2, je suis trop du cul en fait. Merde! Je me rends compte que maintenant en plus je suis vraiment. Bref. Pourquoi ça s'est pas mis là sur l'autre? Et là on a quoi? Ça fait beaucoup. Bon, on va utiliser stockage. Plus simple comme ça, 2 pain, puissance 5, vache, je vais prendre un CD, ça j'en ai pas besoin, ça non plus, je n'en ai jamais, et un seau à la place de silex. Ah merde, et j'ai plus de place pour la table de craft, c'est pas cool. Voilà, bon, je continue de miner, je pense que je vais bientôt rentrer, j'aimerais bien trouver un tout petit peu plus de diams quand même, mais c'est pas très grave.
Donc je continue à miner, on se retrouve dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. A tout de suite. Voilà les amis, j'ai fini de miner, donc voici le point. J'ai 3 stacks de redstone, 3 stacks de minerai de fer, presque un stack de minerai d'or, ça c'est bon signe. Quasiment 2 stacks de charbon, 2 pains, ouais. 6 Firestone Shards, 2 name tags, une armure pour cheval, 6 diamants, 24 lapis lazuli, un CD, bref, vous voyez bien. C'est pas aveugle. Oui, de la poudre à canon, un sourd en plus aussi. Alors je vais voir si je peux pas refaire une pierre d'évolution de feu. Non, je ne peux pas. Je croyais qu'il m'en restait, mais non, il m'en reste pas apparemment. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Comment est-ce que je vais ranger tout ça avec tout le bordel que j'ai dans mon corps? Ah oui, puis j'ai deux vies aussi. La poudre à canon sert au bout de soupçon. Bon bref, on va faire cuire tout ça de toute façon. Donc là n'est pas le problème. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 51, ça fait combien ça fait 51 divisé par 8. 54 divisé par 8, c'est 48. J'ai pas envie de compter, mais ça fait 7. Oui, je sais, je suis bizarre. J'aime bien les fours disposés comme ça, je trouve ça assez sympa. Ouais, du coup, j'en ai un four en plus. Bon, on va ranger ça en mode YOLO. J'ai pas envie de me faire chier. Ça là, ça là, ça là, ça là, 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 là. Et j'ai plus de place pour le reste. Il va falloir que je refasse des coffres. Oh, là. C'est moi ou j'ai vu un évoli? Oh, je deviens parano. Casque. Qu'est-ce que je vais ranger? Oui, je vais ranger. Oh, puissance 5, ça fait plaisir ça. Déjà, j'ai de quoi enchanter un bon arc. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, c'est ça que je voulais. C'est pas ça. CD. Alors au moins un CD. Voilà! Donc la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est planter les noix-grumes et faire des Pokéballs. Mais les noix-grumes, je voulais les planter derrière, mais en fait je me suis dit que j'aurais mieux à faire. Et faire une plantation de noix-grumes, donc il va falloir que je réfléchisse comment la faire. Et avec les noix-grumes qui sont là, en attendant, je vais pouvoir faire quelques Pokéballs. Donc je fais des Pokéballs. Les Pokéballs. Et on se retrouve dès que j'ai fini d'en faire. J'ai mon... Non! J'ai pas assez de bouboules. Merde, j'ai plus qu'une... Une Honor Ball ou une Dive Ball, mais ça c'est pour les combats finis. Merde! Ouais, je peux toujours essayer. C'est chiant. Attends, casse-noix, tu vas là. Tortillard, tu vas là. Allez, on teste. On teste quand même. Est-ce qu'on va avoir... On va avoir la chance of doom. Ok. Oh, le gros lag. Encore. Ok. Encore. Okay. Encore un coup, ça va suffire. Voilà. Ça devrait suffire à laisser dans le jaune. Ouais, nickel. Et maintenant, on espère. À moins que. Est-ce que je peux le paralyser par quelconque moyen? Je vais mettre un super cynique à la gueule. Super cynique. Ok, s'il est confused, j'ai peut-être plus de chances de l'attraper. Allez, on croise les doigts. Est-ce que Notch est avec nous? Est-ce que Sacha est... Non.
Est-ce que Sacha va réussir à choper? Mais bon, tant pis, il va mourir. C'est pas grave, écoutez, j'aurais préféré l'attraper avec une Frame Ball de toute façon. D'ailleurs. Ok, ça c'est une Frame Ball. Ça c'est une Pokéball. C'est pas grave. Bon, ben je fais faire des Pokéballs. Je finis mes bidouillages et je pense qu'on aura terminé pour cet épisode, à moins que ce soit l'épisode 15 parce que j'ai trop traîné sur l'épisode 14. Bref, moi j'en sais rien, vous verrez bien de ce que je dis dans entre les deux trucs. Bref, je fais les Pokéballs, on se retrouve juste après. A tout de suite. Et voilà, j'ai terminé cette longue session de travail en faisant un paquet de Pokéballs. Bref. Ça, vous allez voir, vous mettez-vous en tête que ça m'a pris 1h30, 2h à peu près, et surtout énormément de fer. Bref, vous allez voir, j'en dis pas plus. Voilà les amis, j'ai fini de créer les Pokéballs, donc j'en ai un bon paquet, hein, 113 pour être exact. Ça m'a pris environ 1h30, 2h, et 9 marteaux, enfin 8 marteaux en fer. Donc vous comptez, hein. Pour vous dire, le fer que j'ai miné, il est presque passé en entier. Hein, enfin, il me reste encore un stack, je crois. Parce que j'ai alors 69 de fer pour les bas de Pokéball, plus 8 x 5 marteaux, enfin 8 x 5 lingots de fer pour les marteaux. Ce qui fait, si on compte 40 lingots de fer, donc ça fait 109 lingots de fer, ce qui est assez énorme, il faut le dire. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai fini de bidouiller. Donc on se retrouve pour l'épisode... Ah, pardon, j'ai encore le débouché. On se retrouve pour la fin de l'épisode 14, si j'ai pas trop traité. Sinon, on se retrouve pour la suite de l'épisode 15. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 14 et aussi de cette partie 2. Épisode 14 qui aura duré une heure, même si je l'aurais fait en deux parties. Hein. Enfin, c'était surtout pour être ergonomique, on va dire, pour pas pour que vous ayez, on va dire, une partie 1, une partie 2. C'est plus facile à mettre en ligne, c'est plus, enfin, c'est mieux aussi pour vous, si vous voulez regarder que la partie 1 et le lendemain la partie 2, par exemple. Ouais. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un j'aime ou un commentaire si ça vous a plu. Vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas. Suivre ma page Facebook ou mon Twitter, les liens sont dans la description de l'épisode, comme à chaque fois. Et merci à tous et à la prochaine. Allez, salut!